Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. La poursuite de l'opération de légalisation des formulaires de souscription en vue de la présidentielle de septembre. Les moyens ont été mobilisés. Reportage au niveau d'une cellule dans la capitale. L'Agence nationale d'appui de le développement de l'entrepreneuriat lance le financement de micro-projets dont les porteurs ont été formés en amont. Les législatives en France remportées par la gauche, mais sans la majorité absolue, le Parlement se présente comme fragmenté. C'est l'incertitude alors que le président Macron demande à son premier ministre de rester en poste. L'occupation israélienne intensifie ses frappes aveugles contre la population palestinienne à Gaza, une manière de faire pression sur les négociations alors que la résistance affirme qu'elle ne cédera pas. Athlétisme, 8e étape de la Diamond League. Jamel Sedjati réalise une nouvelle performance, la meilleure de l'année sur le 800 mètres. Madame, Monsieur, bonjour. L'opération de légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles en vue de la présidentielle de septembre se poursuit, une étape obligatoire pour les prétendants à la candidature. Les moyens sont mobilisés pour faciliter la procédure qui se déroule à travers les APC via les cellules mises en place. Reportage d'Iptihel Atoun. L'opération de légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit en faveur des candidats souhaitant se présenter aux élections présidentielles. Pour savoir comment se déroule l'opération, Salahdin Ben Yerlef, chargé de la légalisation des formulaires au niveau d'APC de Sidi Mohamed, nous explique. J'ai des formulaires, ou ma cache ma chaque j'ai le formulaire, vérifie le numéro de la carte de vote. Et le numéro de série, tu as le formulaire. Après, l'agent saisit. Il saisit le formulaire. On va dans le scanner, on le QR code ADAC, on va dans le signer. On appelle le citoyen ou l'amalie geste. Tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour assurer le succès de cette opération, selon Salahdin Ben Yerlef, chargé de la légalisation des formulaires au niveau d'APC de Sidi Mohamed. Le signataire ou les deux assesseurs. Geste très très bien. Les moyens humains et matériels, excellents. Mobilisés pour le bon déroulement de cette opération. Pour rappel, la date limite de dépôt de formulaire de souscription des signatures individuelles est fixée jusqu'au 10 juillet en cours. Les inscriptions au programme ADL3 continuent via l'application et la plateforme mise en place à cet effet. Plus de 510 000 personnes se sont inscrites jusqu'à hier 18h selon un communiqué du ministère de l'Habitat. Les souscripteurs qui réussissent à s'inscrire recevront des messages sur leur téléphone portable pour confirmer cette étape. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat lance le financement de micro-projets dont les porteurs en bénéficient d'une formation. Il s'agit là d'un accompagnement supplémentaire. Les explications de Samir Alloun. Pas moins de 1700 étudiants porteurs de projets ont suivi une formation au niveau des 102 centres de développement de l'entrepreneuriat, des structures dédiées à l'accompagnement, au suivi des différentes innovations et prototypes aux micro-projets, une formation qui concerne les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la création ainsi qu'à la gestion d'une micro-entreprise, réduisant ainsi les marges d'erreur pour tout étudiant qui aspire à entamer un parcours entrepreneurial. Bilal Achacha, directeur général de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. NASDA a lancé à travers sa plateforme d'inscription en ligne l'opération de financement des projets de création de micro-entreprises des jeunes formés au niveau des 102 centres de développement de l'entrepreneuriat, CDE, créés au sein des universités à travers le territoire national. Cette opération s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques de NASDA qui consiste à mettre l'accent sur la formation et l'accompagnement d'un nombre maximum de jeunes porteurs de projets diplômés de l'université ou de la formation professionnelle en privilégiant le financement des projets
économiquement viable que notre agence a déployé au sein de son réseau, des solutions digitales permettant l'évaluation et l'analyse des projets ainsi que la gestion des risques liés à leur financement. Des structures qui visent à créer un climat favorable aux micro-entreprises permettent alors aux entrepreneurs en herbe de mieux se préparer, de se former sur les meilleurs réflexes et approches propices au développement de leurs idées, de leurs entreprises. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur la plateforme dédiée nesda.dz. Des illusions de l'extrême droite en France, le Rassemblement national a échoué à obtenir la majorité absolue aux législatives. Il arrive en troisième position et c'est la gauche qui est en tête, mais sans se détacher, le Parlement est plus que jamais fragmenté. Les détails avec Lia Stelrini. Des arrangements électoraux dangereux avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. Le Rassemblement national et ses alliés arrivent en troisième position derrière la coalition présidentielle et le nouveau Front populaire arrivé en tête du scrutin avec environ 180 députés sur 577. Juste après l'annonce, le Premier ministre Gabriel Attal affirme vouloir remettre sa démission. La figure de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, assure avoir éviter le pire. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire. Ses composantes, la gauche unie, se sont montrées à la hauteur de la circonstance historique et à sa manière, elle a déjoué le piège tendu au pays. Faute de majorité actuellement, la question qui se pose est qui va gouverner en France? Entre coalition et gouvernement minoritaire, de nombreux scénarios se dessinent. Bédis Renissa, expert en relations internationales. Le premier tour des législatives françaises a été plus un référendum contre le bilan d'Emmanuel Macron. Le deuxième tour, lui, a été plus un référendum contre, je dirais, l'extrême droite. Le prochain défi, au vu de la nouvelle configuration du Parlement, reste inévitablement la formation du prochain gouvernement. Un casse-tête politique qui va sans doute prendre du temps au président Emmanuel Macron. Il y a également la question de trouver une nouvelle manière de légiférer au Parlement, majorité plurielle, majorité alternative, ou peut-être même devoir s'accorder dans des alliances de projets et d'idées. À Paris, place de la République ou dans les grandes villes de France, des milliers de personnes soulagées ont célébré l'arrivée en tête du nouveau Front populaire au second tour, mais surtout le revers de l'extrême droite. Et c'est donc la gauche qui apparaît comme victorieuse, un sursaut sur lequel revient l'analyste politique Gamel Abina. Il est joint par Nabila Houssine. Le nouveau Front populaire, à l'image du Front populaire des années 30 de Blum, ce nouveau Front populaire a su faire une mise en échec extraordinaire de l'extrême droite et du gouvernement en se retrouvant dans une position de majorité certes relative, mais tout de même la première majorité de France, et ce qui obligera donc M. Macron à composer avec lui et à faire un gouvernement pour la troisième fois en France, sous la 5e République, un gouvernement de composition, une représentation nationale qui est favorable à la gauche, effectivement, et une cohabitation imposée par les résultats de ces élections que M. Macron espérer lui être favorable. Le Premier ministre Gabriel Attal a remis sa démission ce matin à Emmanuel Macron, le président français, qui lui a demandé de rester en poste pour le moment dans le but d'assurer la stabilité du pays selon un communiqué de l'Élysée. L'armée d'occupation israélienne a intensifié ses frappes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Les établissements et les écoles qui accueillent les réfugiés ont été plus particulièrement ciblés. Une tactique de l'occupant en vue de faire pression sur les négociations selon le représentant du mouvement Hamas à Alger, Youssef Hamdan. Abu Obeida a insisté sur le fait que les factions palestiniennes se sont bien renforcées et élargies. Il y a maintenant plus de 24 unités chez Hamas et que tout le monde est totalement prêt militairement avec l'aide de l'axe de soutien Arza, ce qui donne un nouvel élan à la guerre qui se déroule en Palestine dans le but de la libérer. Et on assistera à l'effondrement de l'entité sioniste si ces combats vont durer encore des mois. Voilà donc, c'était l'expert en question militaire Ali Hamia qui revenait notamment sur la déclaration du responsable de la brigade Al-Qassam qui dit donc qu'il n'y aura pas de concession. Le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé, sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces basées à Agadez. C'est ce qu'ont annoncé les deux pays
C'était donc hier soir. 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour, sur un total de 950. Les projets d'investissement dans le secteur agricole sont nombreux dans les wilayas du Sud. Des partenaires étrangers s'y intéressent. Certains ont franchi le pas, notamment dans le domaine de la céréaliculture. Le partenariat avec des entreprises étrangères permet notamment de développer des techniques pour des rendements plus performants. C'est ce que souligne Tarek Hartani, coordinateur de la commission de réflexion pour le développement des céréales, extrait de l'invité de la rédaction. On peut avoir des milliers d'hectares et avoir une faible production. Par contre, si avec un mètre cube d'eau, je peux produire 60 quintaux par hectare, avec cette logique-là, je peux dépasser les contraintes liées à l'électrification, au tracé des pistes, à l'acheminement des intrants, etc. Donc, il faut vraiment changer de paradigme pour pouvoir avoir une agriculture céréalière saharienne performante. Il faut savoir que le blé dur en particulier, c'est ce qui est essentiellement visé dans tous ces projets-là. Le blé dur est une opération relativement complexe, donc il faut une certaine maîtrise technique pour pouvoir le produire. Il y a donc des projets de coopération, on l'a vu à Timimoun et à Adrar pour produire ce type de céréales. Je pense que on a des agriculteurs également leaders qui font du 90 quintaux à l'hectare, dont il faut tirer les leçons, c'est-à-dire qu'il faut un peu s'en inspirer pour étendre ses succès. Et en vue de préserver les palmeraies, une campagne est lancée dans le sud du pays, le Boufarois, principale cible. Correspondance de Mahfoud Karkar depuis Gardeïa. Cette campagne anti-acarienne sur le Boufarois et Melouis est officiellement lancée à Gardeïa pour but de protéger le palmier dattier ainsi que la récolte dattière. Docteur Younes Babaz dit à ça Gardeïa. 850 000 palmiers au rapport, celui qui est produit. Il y a trois intervenants, les équipes de l'IMPV, par le biais de deux camions équipés d'un matériel de pulvérisation. Aussi, quatre micro-entreprises qui prennent en charge cette opération sur 80 000 palmiers. Le troisième opérateur, c'est bien l'agriculteur lui-même, par le biais des associations et des coopératives. L'État va approvisionner le fellah par le produit et c'est lui qui va prendre en charge cette opération qui va traiter les palmiers atteints. Un nouveau produit homologué cette année. L'hémocide, c'est un produit biologique qui est très intéressant dans la protection de l'être humain et de l'environnement. Sachant qu'il est un produit de contact, il a un effet physique sur les agents causaux à corps mou. L'effet de ce produit, c'est un effet déshydratant. Quand il touche l'insecte ou bien l'acarien, il va le déshydrater, c'est un choc physique. Il a un effet ciblé. Un effet curatif. Mais pourquoi la saison estivale? Cette période, c'est la période propice pour se propager et pour se disséminer. Parce que le Boufarois préfère toujours les moments chauds et moins humides. Il a un pouvoir de reproduction et de multiplication incroyable. Il préfère même 20 générations dans cette saison estivale. Pour cela, il faut activer, il ne faut pas tarder le traitement. Une large campagne de sensibilisation est organisée au profit des agriculteurs au sujet de Boufarois et Melouis. De Redem Mahfoud Kerker pour Algechin 3. Le secteur de la santé se renforce dans la wilaya de Sogaras. Des acquis et des acquisitions en matière d'équipement. Les précisions de notre correspondant sur place, Sadr Borawi. Le secteur de la santé de la wilaya de Sogaras a bénéficié de plusieurs importantes opérations, qu'elles soient infrastructures ou équipements. Un acquis qui confirme l'attention particulière accordée par les autres autorités de l'État dans tout ce qui a trait à l'amélioration du cadre de vie du citoyen dans le domaine de la santé publique. Goudji Likhmissi, directeur de santé et population de la wilaya, nous le confirme. La wilaya de Sogaras a bénéficié de 5 hôpitaux, un hôpital 120 lits à Mdaourouch, un hôpital 120 lits à Sdrata, un hôpital 120 lits chef-lieu de la wilaya. Un hôpital de 60 lits à Al-Hdada et un hôpital 120 lits à Oumladaïm. Un NHS 60 lits urgence médico-chirurgicale au niveau du chef-lieu de Soukaras. Pavillon UMC à Sdrata. Un centre de dialyse à Sdrata. Un institut de formation paramédicale au niveau de Soukaras. Des structures qui sont en cours de réalisation. L'acquisition de 4 scanners au niveau de Sdrata et Taoura. L'acquisition de 2 IRM au niveau de Sdrata, l'acquisition de 21 ambulances médicalisées. De Sogaras, Sadr Borawi pour Algechin 3. On va parler d'athlétisme à présent et cette nouvelle performance de l'athlète algérien Jamel Sedjati sur le 800 mètres lors de la 8e étape de la Diamond League à Paris. Il s'agit donc de la meilleure performance de l'année sur le 800 mètres. Les détails avec Malik El-Wahla.
exceptionnel, énorme, grandiose, ce sont les superlatifs que nous pouvons utiliser pour décrire ce qu'a réalisé l'athlète algérien Djemel Sidjati sur la piste du Stade Charletti à l'occasion de l'étape parisienne du circuit mondial de la Diamond League. Djemel Sidjati a réalisé tout simplement la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps avec un nouveau record national à la clé avec un temps monstrueux d'1 minute 41 secondes et 56 centièmes dans une course d'anthologie qui s'est jouée sur le fil de l'arrivée. En effet, Djemel Sidjati qui rencontrait pour la première fois de la saison le Kenyan Emmanuel Wanyonyi, meilleur performeur mondial de l'année. Djemel a été véritablement poussé dans ses derniers retranchements pour effacer des tablettes le record national de Tawfiq Marloufi qui était d'1 minute 42 secondes et 61 centièmes. C'était lors des Jeux Olympiques de Rio et ainsi établi pour la troisième fois de la saison la meilleure performance mondiale sur 800 mètres. À quelques semaines des Jeux de Paris, Djemel Sidjati peut nourrir légitimement de grandes ambitions pour décrocher une médaille olympique très convoitée. Donc sur cette note que termine ce journal réalisé par Douane Siassi, il y avait Amine à la console technique. Tout de suite, la météo avec Karima Bennour.